Bonsoir à tous et bienvenue à l'office de la prière de ce jeudi 26 août. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui répand sur ceux qui t'implorent ton esprit de bonne volonté et de supplication. Garde-nous lorsque nous nous approchons de toi, de toute tiédeur et de toute distraction. Qu'avec des pensées pures et une attention renouvelée, nous puissions t'adorer en esprit et en vérité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À vous grâce et paix, de la part de Dieu notre Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Louons notre Seigneur. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions. They
Vous pouvez suivre la liturgie dans le livret de l'ordre de célébration à partir de la page 47. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons l'hymne « Joie et lumière ». Écoutons et méditons les psaumes 114, 116 et 117. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagnes, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais, dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante.
tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 15, les versets 13 à 37. Quelqu'un vint l'informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent: tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon seigneur le roi. Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gathiens, au nombre de 600 hommes, venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Ittaï de Gath: pourquoi viendrais-tu assis avec nous? Aussi avec nous. Retourne et reste avec le roi, car tu es un étranger, et même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Ittaï répondit au roi et dit: l'Éternel est vivant, et mon seigneur le roi est vivant. Au lieu où mon seigneur le roi soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Ittaï: va, passe. Et Ittaï de Gath passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tsadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'ange de l'Alliance de Dieu, et ils posaient l'ange de Dieu, et Abiathar montait pendant tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok: reporte l'ange de Dieu dans la ville. Si je trouve aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l'ange et sa demeure. Mais s'il dit: je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok: comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimaatz, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abathia, vos deux fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert, jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi, Tsadok et Abiathar reportèrent l'ange de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers.
Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. On vint dire à David, « Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. » Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici Hushaï, l'Archien, vint au-delà de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge, et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tsadok et Abiathar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiathar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils Ahimaatz, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiathar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushaï, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. » Ici prend fin la lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 32 à 43. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit, depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent. Et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyait deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Elles lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Ici prend fin la lecture. Voici une méditation sur le texte du chapitre 9 du livre des Actes. À Lydde, Pierre trouve un homme paralysé depuis 8 ans. Son nom et Aîné. Et il n'est pas dit dans ce texte qu'il était un croyant. Pierre, qui avait le don de guérison, l'exerce sur Aîné, tout en dirigeant son attention exclusivement sur Jésus-Christ. Il dit, Aîné, Jésus le Christ te guérit. Lève-toi et fais-toi toi-même ton lit. Et là, la guérison de Aîné
et instantané et total. Désormais, il ne dépend plus des autres. Il peut prendre soin de lui-même. Alors, ne pensons pas que nous n'avons plus rien à faire lorsque nous venons d'être sauvés. Jésus guérit. Oui. Encore faut-il se lever par la puissance qu'il nous donne et marcher à sa gloire. Ce miracle est opéré dans le but de mettre les habitants de Lydde en présence de l'Évangile et de les emmener à la guérison spirituelle. Si l'apôtre Pierre n'avait en vue que la guérison physique, il aurait sans doute guéri d'autres malades dans la ville. À ce moment précis de l'histoire, les habitants de Lydde et du Saron qui voient cette guérison se tournent vers le Seigneur. Le Saron était un territoire à demi-juif car un certain nombre d'étrangers le peuplaient. La porte ne s'ouvrait qu'aux nations que très progressivement. Un peu plus loin dans ce récit, nous voyons les frères de Joppé, qui appellent Pierre. Tabitha, qui veut dire gazelle, est une femme. Elle est une disciple remarquable de par ses bonnes œuvres. Et là, Tabitha vient de mourir. Elle semble avoir été connue par beaucoup d'étrangers qui avaient probablement bénéficié de sa générosité, car elle est aussi appelée Dorcas, un nom grec qui a la même signification que Tabitha. En demandant à Pierre de venir rapidement, les frères, peut-on penser, cherchaient avant tout la manifestation de la puissance du Seigneur, pas seulement la consolation. Dans ce monde, beaucoup de croyants prodiguent de bonnes paroles, mais malheureusement, manquent souvent de bonnes œuvres. Tabitha n'appartenait pas à cela. Sa foi n'était ni bruyante, ni paresseuse. Elle aidait pratiquement et financièrement les veuves dans les besoins. Ses œuvres témoignaient de la réalité de sa foi, nous dit saint Jacques, chapitre 2, verset 18. Nous sommes sauvés par la grâce, moyennant la foi. Il est vrai que les œuvres ne sauvent pas, me dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2. Mais il est aussi, tout aussi, certain que la foi sans les œuvres est morte, nous dit saint Jacques. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est une évidence que les besoins matériels et spirituels sont immenses. Mais nous nous rappelons constamment que nous avons été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Il n'y a aucune raison de nous enorgueillir, car nous devons à Dieu tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons en bien. C'est Dieu en nous qui fait cela. Les veuves, à l'époque, montrent à Pierre les vêtements que Dorcas avait faits. Mais Pierre fait sortir tout le monde pour être seul à genoux dans la prière. Quoique conduit par le Seigneur à Joppé, il sent le besoin de connaître sa volonté. Quand il est certain que Dieu va l'exaucer, il se tourne vers le corps. Et comme Jésus, en présence du cadavre de la fille de Jaïrus, il prononce ces simples mots. « Tabitha, lève-toi. » Tabitha est ressuscitée. Elle ouvre les yeux, se redresse. Et Pierre l'aide à se lever. Voilà le geste d'un vrai pasteur.
Il relève ceux qui sont à terre. Il relève ceux qui courbent sous les fardeaux de la souffrance. Alors, Khalid, toute une contrée s'est tournée vers le Seigneur. Après qu'Aîné a été guéri, plusieurs croient à Jopé. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous ces chrétiens qui marchent avec le Christ, qui croient en sa puissance, qui nous relève de nos fardeaux, qui nous délivre, qui nous libère et qui nous donne de bondir comme des gazelles et de vivre une vie qui lui plaise. Gloire à son nom. Amen. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God. Your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, you are. Ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec.
À la page 53, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur, à la page 55. Demandons, Seigneur, que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur, que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les chrétiens du monde et de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ, en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prions encore le Seigneur. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de tous ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. À la page 58, la prière de l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde
par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie. En nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous accordes la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis en Christ, je vous remercie de votre présence, de votre participation à ce temps de prière ensemble. Je dis un merci surtout à ceux qui m'ont aidé avec les lectures. Que le Seigneur nous garde et nous protège pour cette nuit. Et pour ceux qui n'ont pas encore dîné, bon appétit et à bientôt.